Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester Dead Face, le prologue. C'est toujours un jeu d'horreur, c'est parti. Ok, let's go, on vient d'arriver dans un appartement. Il est 3h du mat d'après le réveil. Par contre, il y a un effet un peu de. J'ai l'impression d'être ivre un peu. Il y a des zooms, il y a des dézooms. Ok, donc un petit lit tranquille, stylé. Alors, examine. Comment on fait pour examiner? E, toi interact. Ok. Ça marche pas. Ah, tu examines? Ok. Psycho Blood Scream. On peut rotate. Let's go. Mais c'est normal que j'ai ce field of view parce que c'est incroyable là. Shadow Distance. On va un peu augmenter. Game Quality. Pourquoi c'est la qualité du jeu est en low? Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça use? On dirait qu'il est en train de miner je sais pas quoi. Ok, bon, on va sortir, on va aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Stylé l'appart, mais j'avoue que l'effet de vue, ça me donne un peu le tournis. Il y a le wifi. Stylé, stylé. Alors. Oh, la salle de bain. Elle est effrayante cette salle de bain, je sais pas comment c'est possible de se laver ici. Bon, j'entends un petit bruit, on va aller voir ce que c'est. Super son cet appart. Ah, il faut une clé. Ok, on continue notre. J'ai pas de lampe par contre. Cet appart est effrayant. Bah, ça éclaire un peu, c'est ça l'avantage. Est-ce qu'on peut ouvrir les. Je peux courir. C'est bizarre. Le gars est en train de devenir fou. Bon, une clé. Il n'y a pas une clé proche d'ici là. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, des choses bizarres dans cet appartement. La clé, je sais pas comment je vais avoir la clé. Alors, est-ce qu'on a une clé ici? Oh putain! Oh! Je les écrase! On peut écraser les cafards sur le mur, quoi! Quoi ce jeu? Calmez-vous! Yep. My god! Sortir. Il y a des cafards de partout. Je sais quoi là? Je peux pas sortir. Ah, il y a un jeu, un full game, ok. Ah oui, c'est vrai que c'est le prologue. C'est quoi ça? J'ai l'impression d'être bloqué. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh my god. Ah, il y a un truc qui est tombé dans le. À l'entrée, enfin. Là-bas, je pense. Il y a un truc qui est tombé. Bizarre. Il y a des pentacles qui sont sur la télé. Je trouve qu'il n'y a pas trop de rythme dans le jeu. Enfin, là, c'est un prologue, c'est peut-être normal, mais on peut pas faire grand-chose à part se faire les allers-retours dans l'appartement. Ah, ok, la clé était dans la baignoire, ok. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Ça commence à être grave creepy là. Hein.
Oh le tableau. Oh le tableau, il est incroyable. Ça me fait penser un peu au tableau avec les yeux un peu perçants de la nonne. C'est un tableau qui est assez connu. Oh, j'adore les. Ok, stylé, stylé. Et là, il y en a quoi là? Ah, ça demande une clé. Ok. On va continuer. On a des pièces avec des chaînes. Oh, ça réveille. C'est bien, c'est bien. C'est de ta faute, il y a marqué sur le mur. Eh ben c'est dégueulasse, hein, ici. Y a pas une petite clé à récupérer? N'utilisez pas l'ascenseur. J'ai même pas vu ce qu'il y avait là-haut, j'ai fait un clic. L'atmosphère du jeu est pas mal, hein. Le problème, c'est qu'on voit pas grand-chose. C'est quoi des trucs de chaîne là comme ça? C'est chelou. C'est quoi? C'est un grippin, ok. Je peux pas ressortir là du coup. Sais pas si le but c'est à chaque fois de péter des scarabées sur un mur, mais. Ok, take. Il y a une clé en haut. Ok, il y avait une clé là-haut. Put away. On peut repartir par là? Elle me sert à quoi la clé là? Bon, j'ai eu une clé. Je peux interagir avec rien du tout. Bouteille de vin. David Ford 2008. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Oh my god. Let's go. Oh putain, ça fait trop peur, ça, les trappes qui vont vers les greniers. Je pouvais ouvrir la porte, mais je sais pas, l'interaction elle marchait plus. Là, on peut plus aller par là, du coup. On est obligé d'aller là. D'un jeu, c'est trop sombre, je trouve. D'un jeu où on voit rien, ça fait bizarre. Il y a moins de, c'est moins horrifique qu'on voit rien. Oh. C'est l'appartement le plus creepy qu'on ait vu, hein. Ça. Ah, il est en vie, coucou monsieur. Bonjour. Je zoome sur votre tête. Let's go. Ok. Il est parti. Peut-être qu'il y a moyen d'augmenter le brightness, mais je l'ai pas vu. Je crois qu'il n'y a pas moyen. Une clé au fond de la baignoire. Oh, j'aime bien ce tableau. Ça m'a l'air bien comme ça.
examine. On va examiner les papiers de toilette. Intéressant. Ah, ceux-là, je peux pas les écraser. Ceux-là, oui. Il n'y a rien au fond de cette baignoire, là, d'habitude, les trucs. You left me to rot. Ah, ok, il y a un truc à bouger ici. Ça déjà. C'est ça non? Ah oui, ok, oui. Autant pour moi. C'est les yeux qu'il va falloir mettre comme ça. Ok. Let's go. Il est bon le tableau là. C'est impeccable. Je l'ai mis parfaitement au bon endroit. Ah. Use. Ah, c'est peut-être ça. Ça aurait été bien qu'il, ouais. Par exemple, qu'il me fasse ouvrir ça en bas et que je puisse prendre une clé, par exemple. Mais là, j'ai pas trop compris. Le tableau, il est bon là. Ah, le nez n'est pas bon peut-être. Ah, le nez, je crois qu'il est bon là. Ok, on a réussi le nez. Oh, bel rebondissement. Oh putain. Ok, ben, je crois qu'on a fini. Ok, on a réussi à sortir de l'appartement. Ah non, pas du tout. Ça continue. Monsieur. Ok, on a fini la première partie du jeu, qui est le prologue. Le jeu était sympa pour un jeu d'horreur, clean au niveau visuel aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!